La grande nouveauté pour Braun au niveau du stand de l'IFA, c'est évidemment la nouvelle gamme de centrales vapeur, Kerstyle Compact. Alors c'est une nouvelle gamme qui a plusieurs avantages. La première, c'est sa compacité. Comme vous le voyez ici, elle tient sur une seule base. Elle prend très peu de place puisqu'elle tient sur une feuille de format A4. Alors cette centrale a aussi tout d'abord un premier avantage au niveau du fer, qui va être donc la forme de la semelle. Comme vous le voyez, c'est une semelle qui est une semelle 3D avec l'arrière qui est rebondi pour justement permettre de mieux repasser quels que soient les obstacles que l'on peut avoir sur le tissu, les boutons, les fermetures éclair. Et donc dans tous les sens, le fer peut être manipulé et ainsi faciliter la glisse sur le tissu, ce qui optimise complètement la qualité du repassage. La nouvelle gamme aussi, Kerstyle, possède une puissance très importante pour ce type de centrale, puisque vous allez voir, nous allons faire un test sur le tissu. Nous sommes capables, avec une puissance de 110 g et maximum de 300 g, de pouvoir transpercer jusqu'à 36 t-shirts en même temps. Alors c'est impressionnant, c'est une encre en fait qui permet de s'éclaircir avec la vapeur. Et donc on voit bien la capacité du fer à vraiment aller en profondeur, même dans les textiles les plus épais. Alors cette centrale est compacte et c'est là aussi où c'est très intéressant parce que souvent avec sa centrale vapeur on ne sait pas où la ranger, on ne sait pas comment la ranger. Donc c'est une centrale comme je le disais qui est toute petite mais en même temps qui est facilement transportable puisque vous le voyez quand vous fermez le bouton ici vous avez la possibilité de la transporter, de la ranger sans aucun effort directement dans le placard. La Kerstyle Compact existe en deux modèles, ce premier modèle avec une première puissance de 110 g et l'autre modèle de couleur mauve qui est plus puissante. Ces deux appareils seront en vente sur le marché français à partir d'octobre 2018. Le prix public conseillé est de 129 € pour celui-ci et de 149 € pour l'autre modèle. Donc, bienvenue sur stand de Longhi. Vous connaissez déjà la gamme Dynamica et fort de ce succès de Longhi sort Dynamica Plus. Donc, la nouvelle Dynamica positionnée avec son nouvel écran tactile TFT 3.5. Donc, équipé de profils à la place de My Menu, vous avez 3 profils plus un invité, ce qui permet encore plus de personnalisation et de customisation. Équipé de la technologie exclusive, la Techrema System et sa carafe thermale qui permet de maintenir le lait plus longtemps à température en dehors du frigo, qui vous permet d'avoir des résultats parfaits, un cappuccino dense et onctueux. De plus, équipé de sa nouvelle fonction carafe à café, donc une nouvelle recette qui permet de faire un café filtre pour 2, 4 ou 6 personnes avec 5 niveaux d'intensité différents. Donc ce nouveau modèle est aussi connecté, donc avec l'application CoFeeling de DeLonghi, vous pouvez gérer, personnaliser, faire toutes les manipulations, maintenance, entretien, etc. directement via l'application. Donc voici Maestosa, le produit phare de l'IFA 2018 dans la catégorie robot broyeur. Donc ce nouveau modèle représente tout le savoir-faire de DeLonghi. Un double bac à grains, double grinder, un écran tactile couleur TFT 5 pouces, plus de 28 recettes, des menus, 6 profils plus un invité. Vous avez aussi la nouvelle carafe thermale qui permet de faire 2 cappuccinos à la fois, 2 latte macchiato, 2 boissons lactées en général. Connecté, Maestosa est le dernier cri des robots broyeurs de Longhi. Donc voici le nouvel espresso pompe avec broyeur de Longhi, la Specialista. Un espresso pompe avec percolateur, équipé de sa buse vapeur avec variateur, vous allez pouvoir faire le délicieux cappuccino manuellement, une mousse de lait parfaite et onctueuse. Équipé de son broyeur et de ses technologies exclusives comme le Smart Temping, vous allez pouvoir broyer, tasser parfaitement pour infuser et obtenir un résultat en tasse parfait. Alors aujourd'hui, je tenais à vous présenter des nouveaux accessoires que vient de sortir la marque Kenwood, qui est donc leader incontesté en France sur le marché des robots pâtissiers, qui sont plus que des robots pâtissiers, donc qui deviennent de véritables robots multifonctions, grâce à toute une gamme d'accessoires. Et donc cette année, la marque a décidé de rendre encore plus polyvalent ses robots avec le lancement de 3 accessoires différents. Le premier qui est ici, un spiralizer, qui va donc nous permettre de découper les légumes en spirale. Le second, qui est un Nutri-Blender, qui en fait est un bol nomade que l'on peut emporter une fois qu'on a préparé ses boissons. On va pouvoir emporter avec un couvercle étanche et un petit bec pour boire. Et la troisième, qui était très attendue, qui est un extracteur de jus qui vient s'adapter sur le robot. Sur l'avant de nos robots, en fait, la vitesse est très très lente, ce qui est parfaitement adapté pour obtenir le meilleur résultat avec un extracteur de jus, puisqu'on sait qu'il ne faut pas oxyder les fruits, les légumes, les herbes avec la vitesse.